waits for no man and ain't got time to shake your hand. Get that style check, put it in pocket like it's back. Yep, les gens, c'est Verxius et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Dofus Touch. Donc j'espère que vous allez bien. On va directement commencer avec le premier concours que j'avais lancé. Donc Paul-Emilien Diouf ne va pas gagner ce concours étant donné qu'il ne m'a pas donné son pseudo, qu'il ne me répond toujours pas. Donc j'ai désigné un autre gagnant qui gagnera ses 500 000 kama qui se nomme Unnom. Donc bravo à toi. Et pour le deuxième concours, donc vous avez exactement répondu à mon attente. Vous avez mis des petites histoires de 2-3 lignes. Vous avez mis des petites blagues, il y en a même un qui m'a posé des questions. Donc vraiment merci à vous de répondre à tout cela. Et je désignerai le gagnant quand la semaine sera terminée, étant donné que je désigne un gagnant après une semaine après la sortie de la vidéo. Du coup je vais directement lancer un troisième concours. Donc à chaque vidéo, pour ceux qui ne savent pas, je lance un concours 500 000 kama. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne pour participer à tous les concours. Et pour ce nouveau concours, vous allez devoir bien évidemment à cette vidéo vous abonner, laisser un like et un commentaire. C'est les trois requis pour participer au concours. Vous allez aussi devoir dans le commentaire laisser votre pseudo. Ça c'est extrêmement important parce qu'il y a énormément de monde. Il n'y a personne en fait, il y a juste 2-3 personnes qui ne laissent pas leur pseudo. Tout le monde, vous ne mettez pas votre pseudo et du coup je ne peux pas désigner de gagnant. Donc le dernier gagnant, vous voyez bien, il a été disqualifié étant donné qu'il ne m'a pas mis son pseudo et j'ai dû en désigner un autre. Du coup, dans votre commentaire, vous devez mettre une petite blague, une question ou encore une petite histoire de 2-3 lignes. Donc tout ça sur l'univers d'Ankama. Donc vous-même, vous pouvez, si vous n'avez pas de blague ou d'histoire, posez-moi une question. Il y en a un qui m'a posé une question sur mon avis sur la communauté et je lui ai répondu. Donc voilà, vous avez juste à faire ça, plus votre pseudo et vous participez au concours. Donc bien évidemment, ceux qui laissent des commentaires constructifs ont plus de chances de gagner que ceux qui mettent juste bonne vidéo, qui mettent juste leur pseudo et c'est tout quoi. Donc je préfère primer les gens qui fassent un effort que ceux qui n'en font pas. Donc voilà, on va passer directement maintenant à l'anti-arnaque. J'avais déjà fait une vidéo dessus, j'avais déjà lancé la série. Donc là c'est la deuxième vidéo de la série et du coup on va passer directement aux deux prochaines arnaques étant donné que je vous en avais déjà donné deux. Donc je vous invite à aller voir la dernière vidéo. Alors cette première arnaque va être une arnaque contre les sites de phishing. Donc sur Dofus Touch c'est extrêmement répandu, c'était beaucoup moins répandu sur Dofus. Donc j'ai joué pendant 8 ans sur Dofus officiel, donc je connais énormément d'arnaques et en particulier les sites de phishing, étant donné que j'avais perdu un crâne niveau 130 avec au moins 20 millions d'items sur moi et j'avais seulement 10 ans. Donc je peux vous dire que, que j'étais vraiment dégoûté. Et pour les sites de phishing, alors en quoi ça consiste? Donc sur Dofus Touch, il y en a qui vous disent par exemple, vous venez, alors lui par exemple, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit hacké, vous voyez, étant donné qu'il a juste un bouclier lié au compte et qu'il n'a rien d'autre sur lui-même. Donc les sites de phishing, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils vous renvoient vers un lien qui ressemble au forum de Dofus, donc à Dofus officiel. Vous croyez que c'est vraiment le forum de Dofus, du coup qu'est-ce que vous faites pour pouvoir participer à la promotion qu'ils vous font croire sur le forum? Vous devez mettre votre pseudo et votre mot de passe. Donc vous, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez votre pseudo et votre mot de passe et dès ce moment là cela déjà ne marche même pas, vous connectez même pas à votre compte. Et en plus de cela, le site de phishing en fait enregistre ce que vous avez tapé. Donc dès ce moment là il enregistre votre mot de passe et qu'est-ce qu'il fait? Il se reconnecte sur Dofus Touch une fois que vous êtes déconnecté puisqu'il vous met en ami. Et si vous n'êtes pas connecté dans vos amis, il se connecte sur votre compte, il rafle tout, il se déconnecte, vous reconnectez sur votre compte, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez plus rien tout simplement. Donc sur Dofus Touch, il y a énormément de gens qui se sont fait arnaquer là-dessus, en particulier avec les sites de loterie. Il y en a beaucoup qui ont dit oh Dofus, c'est génial, ils mettaient en commerce ou en recrutement avec un lien bien sûr. Il vous mettait c'est génial, vous pouvez gagner, enfin non, il vous envoyait même en message privé, donc ça c'était encore plus vicieux. Cliquez sur ce lien, moi j'ai gagné une coiffe melou, c'est la nouvelle loterie du forum de Dofus. Donc bien sûr, il y a des milliers de gens qui se sont fait arnaquer, vraiment autour de moi, il y a énormément de qui se sont fait arnaquer. Rien que dans ma guilde, il y avait 4 personnes qui se sont fait arnaquer juste avec les sites de loterie. Donc je vous conseille vraiment de faire attention à ça. Donc c'est pas, si je vous fais ces vidéos, c'est pas pour vous inciter à faire ces arnaques, c'est vraiment pour vous prévenir, pour vous empêcher de tomber dans le panneau. Donc voilà, donc c'était la première arnaque, on va passer directement à la deuxième. Donc pour cette deuxième arnaque, je l'ai moi-même fait sur la bêta bien sûr, et j'avais rendu tous les kamas des gens. Donc je le précise avant parce qu'il y en a, ils vont quitter la vidéo et directement mettre un commentaire hater. Donc vous pouvez voir la vidéo, elle est même sur ma chaîne. J'avais fait cette arnaque
et je vais vous la présenter pour que justement vous ne tombiez pas dans le panneau, étant donné qu'elle est très très vicieuse et qu'elle est très intelligente et que vous tombez forcément dans le panneau si vous la connaissez pas. C'est mathématique. À chaque fois que quelqu'un fait cette arnaque, il gagne des kamas, il en gagne énormément. Donc cette arnaque, je l'avais fait principalement sur la bêta, étant donné que sur la bêta il y avait très peu de dragodins d'armure et que la dragodin d'armure valait 10 millions de kamas. Donc qu'est-ce que je faisais? J'allais dans l'HDV, j'achetais une dizaine de dragodins d'émeraude rose qui valaient 50 000 kamas sur la bêta. Et ce que je faisais, c'est que j'amassais du monde, je disais j'arrête la bêta, j'en ai marre, ou même vous pouvez le faire sur l'officiel, hein, moi je le faisais sur la bêta pour expliquer aux gens, pour n'arnaquer personne. Et sur l'officiel, vous pouvez même dire j'arrête Dofus, ça m'a gavé, je me suis fait arnaquer, j'ai encore 5-8 DD armure, j'en faisais du commerce. Et vous dites je vais le mettre en mode marchand à 50 000 kamas U, alors qu'elle vaut en HDV, là je crois que sur l'officiel elle vaut 2-3 millions, mais je crois que sur Dofus Touch elle vaut 500 000 kamas. Donc vous achetez des dragodins de rose par exemple, que vous achetez à 10 000 kamas U, vous en mettez une dizaine à 500 000 kamas. Là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens, vous allez amener en mode commerce et en recrutement, vous allez dire votre message et vous allez amener énormément de monde sur la map où vous êtes, donc une trentaine, quarantaine, une cinquantaine de personnes, et ça va aller très vite. Hein. En moins de 10 minutes, vous avez amené tout ce monde. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire bon, dans quelques secondes, je vais me mettre en mode marchand. Donc là, il y a tous les gens qui vont se disputer la place pour pouvoir vous acheter vos dragodindes qui vont être à 50 000 kamas, alors qu'eux ils vont croire que c'est des dragodindes armure, alors que non, ce sont des dragodindes émeraude rousse. Donc qu'est-ce que vont faire les gens? Ils vont s'acharner pour cliquer vite sur le mode marchand. Et dès que vous allez passer en mode marchand, ils vont faire acheter. Ils ne vont même pas prendre la peine de regarder ce que vous avez mis dans votre mode marchand. Ils vont juste voir le petit icône là qui sera. Donc là, c'est un exemple. Hein, je prends un exemple, un gars comme ça que j'ai trouvé par hasard. Donc eux, ils vont avoir le certificat de dragodinde. Donc dans leur tête, je les aurai tellement incités en leur faisant tellement croire que c'est des armures que les gens, ils verront même pas le truc dragodinde rose. Ça va être inconscient dans leur cerveau. C'est vraiment vicieux. Donc moi je l'avais fait, vous pouvez aller voir la vidéo, elle est vraiment drôle. Et les gens tombent systématiquement dans le panneau, sauf s'ils connaissent l'arnaque. Et ils vont voir un certificat, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vite cliquer, ils vont faire acheter. Donc là je lui achète, je m'en fous hein. Ils vont vite acheter et ils vont en acheter 2-3. Puis enfin ils vont se rendre compte, quand le mode marchand sera vidé, qu'ils n'auront pas acheté des armures mais des dragodins de rousse. Et c'est vraiment une arnaque très vicieuse. Et donc je vous conseille vraiment de faire attention à ça. Donc là c'était la quatrième arnaque. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo que j'avais faite dessus, qui est vraiment très drôle. Bon j'étais un peu plus petit, donc j'avais vraiment une voix très aiguë. Donc faites attention à vos oreilles. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc je me suis un peu mélangé quand je vous présentais les arnaques. C'est pas très facile à vous présenter tout cela. Donc n'oubliez pas le concours. Donc mettez votre pseudo dans les commentaires, une petite histoire, une petite question ou une petite blague. Donc c'était tout pour moi aujourd'hui. Donc allez, ciao ciao.